Le matin au réveil, tu penses quand tu montes sur le vélo, quand on a du mal, quand on est dans un mauvais jour, et ben en fait on n'a pas le droit. La NB, elle arrive quoi, ça arrive vite. Hein. Moi je pars à l'aventure, j'arrive pas à me représenter l'effort que ça peut faire d'être 12 heures sur un vélo. Là, je trouve qu'elle rassemble beaucoup de monde parce que quand on en parle, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dessus, qui ont pas réussi, qui ont lâché le truc, qui ont dit c'est trop dur, soit des gens qui la refont tous les ans et qui veulent être finishers et qui finiront par y arriver, forcément, je pense. Et des gens qui l'ont faite, qui sont finishers et qui nous disent fonce quoi. Ça, passer la ligne, ça doit être quelque chose. Ça. Chez nous, on a beaucoup de petits singles, de techniques. Donc c'est beaucoup des relances. Donc je pense que c'est pas parce que ça monte qu'il faut faire que de la montée en fait. Et puis moi, avec mon physique, en fait, j'ai déjà un physique de grimpeur à la base. Et j'aime ça, j'aime grimper. Donc je m'entraîne pas spécialement. Je fais pas que de la côte en fait. Je m'entraîne. Si j'ai envie de partir sur du technique, je fais du technique. Si j'ai envie de faire de la route, je fais de la route. J'y vais comme ça au feeling en fait. Ça va être compliqué à gérer l'hydratation, la nutrition sur le vélo. Je pense que c'est numéro un. Après, regarder le profil, se coller un profil quelque part sur le vélo, je ne sais pas, mais essayer de savoir où c'est qu'on en est. Peut-être pas voir la course dans son intégralité, en fait, voir la course plus par des portes ou des. Vraiment, qu'il y a le col là, le petit défi à chaque fois, et qu'on va répéter, et puis qu'on va arriver au bout. Quoi. On a monté une petite association entre amis cette année. Il y a des compétiteurs, il y a des gens qui roulent vraiment que pour le plaisir, mais on a tous la même passion en fait, le vélo et le sport en général. Là, au début j'étais tout seul, tout le monde m'a pris pour un fou quand je me suis engagé là-dessus. Et en fait maintenant, au fur et à mesure des mois, ils sont tous en train de me suivre, s'engager. On n'a pas tous les mêmes objectifs, mais on est quand même 5 à partir pour boucler le 140.